En Autriche, les violations de quarantaine à domicile entraînent désormais des peines de prison. Les agents de contrôle ne plaisantent pas. Toutes les personnes atteintes de Covid-19 doivent rester strictement confinées. Tout récemment, le cas d'une femme de 49 ans de la ville de Klagenfurt a attiré une grande attention. Quelques jours seulement après que cette femme a été testée positive au Covid-19, elle s'est rendue dans ce supermarché pour transférer de l'argent à un guichet de la poste. On ne sait pas si elle portait un masque. Au tribunal, la femme de 49 ans a justifié la violation de sa quarantaine par une urgence familiale. Elle a dû envoyer de l'argent à sa fille malade. Mais cela ne l'a pas empêché d'écoper d'une amende de 800 euros et de 6 mois de prison avec sursis. Le juge, Lieberhauser Karl, explique ce jugement sévère. En tant que porteuse du Covid-19, elle était responsable de la mise en danger d'autrui, dit-il. Selon les chercheurs, il y a un risque de contamination si vous passez plusieurs minutes en intérieur à proximité d'une personne ayant une charge virale élevée. La Cour a voulu envoyer un signal fort et clair pour faire passer le message. L'aspect préventif général est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut dissuader d'autres personnes de commettre des crimes similaires. Les autorités autrichiennes se voient obligées de quitter la phase dissuasive. Plusieurs affaires pénales pour violation de quarantaine sont actuellement en cours ou en appel en Autriche et des peines encore plus lourdes sont attendues.